Excellence, Madame le ministre de la Formation professionnelle et métiers, Excellence, Monsieur le ministre des Droits humains, Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse et Éducation à la Nouvelle Citoyenneté, Madame le directeur du cabinet sexuel et basé sur le genre, qui sont pendant longtemps restés normalisés et acceptés, considérés dans certaines régions comme preuve de virilité et qui aujourd'hui s'avèrent être une virilité toxique et répréhensible. C'est aussi le droit de vivre à l'abri de l'esclavage et de toute forme d'exploitation, y compris les abus et les exploitations sexuelles, que ce soit en temps de paix, en temps de guerre ou pendant les réponses humanitaires. C'est aussi le droit d'être éduqué. Quelqu'un a dit, quand on éduque un homme, on a éduqué un homme. Quand on éduque une femme, on éduque toute une génération. C'est aussi le droit de gagner un salaire juste. Ce sont ces droits qui sont le fondement de l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les garçons et les filles. Excellences, Mesdames et Messieurs, devant le gouvernement, Madame le directeur du cabinet du chef de l'État, Mesdames et Messieurs, d'aucuns se demandent pourquoi de la fixation sur le droit de la femme, si d'ores et déjà ils font partie des droits humains. Quoique les perspectives et les perceptions diffèrent selon le contexte local, le niveau d'engagement politique ainsi que les influences sociales et religieuses, les questions du droit des femmes demeurent une préoccupation mondiale. De nombreux pays comme la RDC, les femmes et les filles sont encore et toujours victimes de discriminations fondée sur le sexe et sur le genre. Les inégalités entre les sexes sont à l'origine de nombreux problèmes qui touchent de manière disproportionnée les femmes et les filles. Les violences domestiques et les violences sexuelles, mais aussi le manque d'accès à l'éducation de qualité et l'insuffisance des soins de santé, particulièrement des soins de santé et de la reproduction, sont des exemples. Garantir le droit à la femme, y compris le droit sexuel et reproductif, signifie que chaque femme a un accès égal aux services de santé tels que la contraception et aussi le sein d'avortement sécurisé. C'est aussi et surtout l'opportunité offerte à la RDC et à l'Afrique entière de tenir sa promesse, celle de ne pas tirer vers le bas les indicateurs mondiaux à travers la pleine atteinte des objectifs de développement durable, dont les objectifs 3 relatifs à la promotion de la santé et du bien-être, et l'objectif 5 relatif à l'égalité de sexe et l'autonomisation de femmes, qui sont que des exemples. Alors, mon mot, je voudrais ici, au nom des partenaires du gouvernement, saluer l'engagement et la volonté du gouvernement de la RDC dans la domestication du protocole de Maputo en son entièreté. De Madame la directrice de cabinet adjointe, représentante personnelle du chef de l'État. De Madame
les ministres de la formation professionnelle et des métiers, de monsieur le ministre des droits humains, de monsieur le ministre de la jeunesse, car ceci témoigne de l'engagement du gouvernement de la RDC de mettre en œuvre sans aucun obstacle le protocole de Maputo et de manière plus large leur engagement envers le droit des femmes et l'égalité de genre. Je suis aussi heureux de constater la forte présence du corps diplomatique ici représenté, ce qui témoigne aussi de l'importance que tous les partenaires au développement accordent à cet important protocole et à sa mise en œuvre. Des partenaires comme la Suède, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, la Norvège et tant d'autres ici représentés. Cette priorité s'aligne avec les priorités de la RDC visant à réduire les inégalités entre les sexes, telles qu'élaborées dans le Plan national de développement 2019-2023 de la RDC et même dans les priorités du président Tshisekedi qui promouvoit la masculinité positive ici et autour de l'Afrique. La République chef de l'État, ici représentée par Madame le directeur adjoint, Excellences, Messieurs le Premier ministre et chef du gouvernement, ici représenté, Messieurs le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Honorables Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement de la République, chers collègues, Madame la secrétaire générale du ministère du Genre, Famille et Enfants, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des agents du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les cadres et agents du ministère du Genre et Famille et Enfants, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les experts sectoriels du gouvernement, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Avec l'autorisation de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ici représenté par Madame le Directeur adjoint, je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes et à tous à cette célébration en République démocratique du Congo dans ces beaux cadres de l'hôtel Fleuve Congo pour le 20e anniversaire de l'adoption du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme en Afrique, communément appelé protocole de Maputo. Mais avant toute chose, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour l'intérêt qu'il ne cesse d'accorder aux questions des droits des femmes, non seulement en République démocratique du Congo, mais également au-delà de nos frontières, à travers le continent africain. C'est cette sensibilité aux questions du genre et son engagement à y œuvrer pour des solutions durables qui lui ont valu des titres de champion de la masculinité positive par ses pairs de l'Union africaine au terme de son mandat à la tête de cette organisation continentale. Je voudrais ensuite exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de Son Excellence Monsieur Jean-Michel Samalukonde Kenge, chef du gouvernement, pour sa détermination à réaliser la vision du chef de l'État concernant la promotion des droits de la femme dans notre pays. Il ne cesse de nous encourager dans ce travail pour que l'agenda genre de la République démocratique du Congo, tel qu'est défini dans le programme d'action du gouvernement de l'Union sacrée de la nation, se matérialise sans faille. J'ai saisi aussi cette opportunité pour remercier tous les partenaires qui nous apportent un appui technique, financier et matériel dans le combat pour l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Ils sont nombreux
mais je cite en particulier l'organisation non gouvernementale internationale IPAS en Chine, qui nous appuie depuis 2018 dans la vulgarisation et la mise en œuvre du protocole de Maputo en République démocratique du Congo, et qui a apporté une contribution substantielle à la commémoration de cette journée en République démocratique du Congo avec le concours des autres, notamment la CGLD, DKT, MSI, bar RD Congo, RGSSR. Je dois également ma reconnaissance à tous les experts sectoriels du gouvernement et à toutes les organisations de la société civile, particulièrement des différentes associations féminines et de jeunes qui assurent la mise en œuvre sur terrain de la politique du gouvernement en matière du genre. Je m'en voudrais si je passe sous silence les efforts inlassables qu'abattent les services normatifs et spécialisés du ministère du genre, famille et enfants, dans la promotion des droits de la femme. Je cite ici particulièrement les cellules d'études et de planification de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant, CEPEF en sigle, qui déploie des efforts considérables pour permettre à notre pays d'honorer ses engagements en rapport avec l'adhésion du protocole de Maputo. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, en juillet 2003, lors du deuxième sommet de l'Union africaine tenu à Maputo, au Mozambique, les États membres de l'Union africaine ont adopté les protocoles de Maputo. Cette adoption traduit l'engagement des États africains à mettre un terme aux discriminations et aux violences faites aux femmes, notamment les mutilations génitales, les mariages précoces et toutes les autres formes de discrimination et des traitements infligés à la femme et à la jeune fille. La République démocratique du Congo a adhéré sans réserve au protocole de Maputo en 2008 et sa publication au journal officiel est intervenue 10 ans plus tard, en mars 2018. Depuis lors, plusieurs activités de vulgarisation ont été réalisées à Kinshasa et dans certaines provinces avec l'implication des organisations de la société civile et des organisations non gouvernementales internationales. Les activités de vulgarisation ont également eu lieu avec les journalistes dans quelques provinces, avec le ministère et chefs des divisions provinciaux en charge du genre et avec les conseils supérieurs de la magistrature. Un travail important de vulgarisation et de mise en œuvre des protocoles de Maputo s'est fait en collaboration avec les ministères de la Santé publique et Hygiène, notamment dans la mise en œuvre de l'article 14DC relatif à l'accès à l'avortement médicalisé dans les cas bien spécifiés. Les rapports initiaux de 2015 sur la mise en œuvre de cet instrument a montré une avancée notable de la promotion des droits des femmes en République démocratique du Congo et des filles dans l'enseignement primaire et en matière de participation de la femme à la gouvernance démocratique. Le gouvernement a réalisé une performance jamais atteinte dans notre pays avec la représentation actuelle de la femme au gouvernement de la République à hauteur de 28%. Excellences, Mesdames et Messieurs, les droits promis par le protocole de Maputo sont des droits inhérents à la personne humaine. Ils sont inaliénables, interdépendants et indivisibles. Ils concernent 8 thématiques, à savoir 1. L'égalité
et la non-discrimination, 2. La protection des femmes contre la violence, 3. Les droits relatifs au mariage, 4. Les droits à la santé et à la reproduction, 5. Les droits économiques, sociaux et culturels, 6. Les droits à la paix, et 7. Le droit à la protection des femmes pendant les conflits et les droits des groupes de femmes bénéficiant d'une protection spéciale. La commémoration du 20e anniversaire du protocole de Maputo constitue une occasion favorable pour faire une évaluation du chemin parcouru en République démocratique du Congo dans la promotion des droits de la femme contenus dans cet instrument juridique. Même si notre pays est sur la bonne voie en ce qui concerne la mise en œuvre de cet instrument juridique, beaucoup reste encore à faire, notamment en ce qui concerne les droits à la santé de la femme, spécialement en matière de santé sexuelle et productive, où notre pays présente les taux de mortalité maternelle élevés, l'un des plus élevés au monde, bien qu'à constante baisse. Dans le secteur économique également, les avancées enregistrées sont timides. Il nous faut des mesures et des stratégies appropriées pour promouvoir les droits économiques et socioculturels de la femme congolaise afin de réduire la pauvreté qui se conjugue au féminin dans notre pays. Excellences, mesdames et messieurs, pour terminer, je souhaite à tous et à toutes de fructueux échanges lors de cette journée commémorative des 20 ans des protocoles de Maputo. Je souhaite également que de nos échanges se dégagent des recommandations pour accélérer la domestication dans notre pays de ces précieux instruments juridiques africaines. Je vous remercie.